Une nouvelle bombe. En 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Alors que le couple vit désormais aux États-Unis, ils ont accordé une interview vérité à Oprah Winfrey en mars dernier. Dans celle-ci, le couple avait enchaîné les révélations plus choquantes les unes que les autres. Depuis, les relations semblent être tendues avec les membres de la famille royale et elles ne sont pas prêtes de s'apaiser. En effet, le duc de Sussex a révélé, dans un communiqué publié il y a quelques jours, qu'il a l'intention de publier ses mémoires. Pour sa maison d'édition, il a choisi Penguin Random House, tout comme son épouse Meghan Markle lorsqu'elle a dévoilé son ouvrage The Bench. Selon les informations du Daily Mail ce mardi 20 juillet, il touchera une somme importante pour celle-ci. Il a déjà reçu une avance de 20 millions de dollars de sa maison d'édition et il pourrait gagner encore plus grâce aux ventes, affirme le tabloïd, sans préciser si la duchesse de Sussex a participé au projet ou si elle compte également publier ses mémoires. Nul doute que cet ouvrage va encore beaucoup faire parler au sein de la famille royale. Une surprise de taille. Le 19 juillet dernier, la maison d'édition Penguin Random House a indiqué qu'un livre intime et sincère de l'une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre temps allait bientôt être dévoilé. En effet, même si sa sortie n'est prévue que pour fin 2022, le prince Harry travaille depuis maintenant un an sur ses mémoires. Dans un communiqué relayé par le journaliste Chris Shipp d'ITV News, le papa d'Archie a toutefois souhaité faire savoir qu'il ne comptait pas s'exprimer comme le prince que j'ai été depuis ma naissance, mais comme l'homme que je suis devenu, a-t-il affirmé avant de donner davantage de précisions, j'ai porté de nombreuses casquettes au fil des ans, au propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous avons tous beaucoup plus en commun que nous ne le pensons. Il conclut son message en affirmant être profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que j'ai appris au cours de ma vie jusqu'à présent et ravi que les gens lisent un récit de ma vie qui soit exact et entièrement véridique, peut-on lire. Des mémoires qui promettent de nombreuses révélations. Mémoire du prince Harry, que va-t-il évoquer? Alors que cet ouvrage vient à peine d'être annoncé, nombreux sont impatients d'en lire le contenu. Ainsi, la maison d'édition Penguin Random House a apporté quelques précisions, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l'ont aidé à le façonner, peut-on d'abord lire dans une communiqué de presse. Il va couvrir sa vie sous les projecteurs, de l'enfance à aujourd'hui, notamment son engagement militaire qu'il a mené deux fois sur les lignes de front en Afghanistan, et ses joies de mari et de père, est-il ensuite indiqué. De plus, les recettes de vente seront reversées à des œuvres caritatives, comme l'a précisé la maison d'édition.